Et bonjour à tous, le monde, on se retrouve pour ce cinquième épisode de Naruto Ultimate Ninja, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 sur la chaîne. Donc dernier épisode, on avait entamé, juste vraiment entamé le deuxième chapitre qui consistait à aller au pont du soleil de la terre pour rencontrer le fameux espion et peut-être y voir Orochimaru. Et franchement, il y a un gros combat qui nous attend là-bas, je pense. D'après mes souvenirs, je me rappelle, c'était vraiment un bon combat là-bas aussi. Et dernier épisode, on avait fait aussi quelques petites missions secondaires et tout. Voilà. Vous avez une minute avant d'arriver au pont. J'aimerais crever l'abcès. Crever l'abcès. Comme je l'ai dit, cette équipe est un peu improvisée. Nous ne connaissons pas très bien. J'aimerais faire un petit combat pour voir ce que nous sommes capables. Un petit combat. Nous allons nous battre par deux. Ah ouais, je me rappelle de ça. Naruto essaye d'un côté, Sakura et moi de l'autre. Vous voulez qu'on soit partenaire? J'ai hâte. Ce combat va me permettre d'analyser vos styles de combat. Le succès de la mission dépend de votre coopération. Je veux que vous preniez le combat au sérieux. D'accord. Très bien, bon. Petit combat pour commencer l'épisode. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Êtes-vous prêt? Ben non, on va prendre des petites pommades quand même. Hein. Pas déconner. Pas déconner. Putain. Il me reste plus que deux pommades. Merde. Ça c'est chiant. Ouais, ça c'est parce que j'ai fait le combat. C'est parce que j'ai fait la mission secondaire avant et contre Tenten là et ça m'a niqué. Ça m'a niqué des PV, ça c'est chiant. Donc j'espère que vous kiffez la série les gars, hein. Une petite série tranquille, posée sur Naruto. Normalement cette série remplace Dragon Ball. Enfin remplace Dragon Ball. Il se peut qu'elle soit en même temps que. Il se peut que cette série arrive et que Dragon Ball ne soit pas fini. C'est toujours pas fini, mais voilà, c'est. En soi, elle va remplacer petit à petit Dragon Ball, quoi. C'est ça l'idée. Vu que Kingdom Hearts et tout ça, c'est fini, donc. Vas-y, Sai. Apprends-lui les bonnes manières à ce petit connard. Merde. Alors on va vite le niquer. J'ai jamais le mode d'éveil utilisable hein. Et on finit en beauté avec le Rasengan. Ah il y avait pas mal de conditions quand même hein. J'aime pas lui mais il y en avait pas mal. Petit S au calme. C'est toujours le S avec nous. On rigole zéro. Guide du vainqueur. La boutique d'objets, si vous êtes bloqué au combat, allez-vous à la boutique d'objets, apportez-y les mains derrière. Ma bite. Allez. Alors, pas mal. Ah, c'était un putain de clone. Mince. Je vois, je comprends mieux quelles sont vos forces. Et le mot partenaire, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, bien sûr. Crétin, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas plus aidé? Seulement tu m'avais couvert. Si je t'ai couvert, on aurait gagné, c'est ça? Je n'en suis pas si sûr. C'est difficile de couvrir quelqu'un d'aussi nerveux. Si je devais aider quelqu'un dans cette situation, cela mettrait en danger également. Qu'est-ce que tu... Si tu as des faiblesses, ce n'est pas de la faute des autres. On a perdu parce que tu es mal combattu. Tu ne seras jamais mon partenaire. Je me demande ce qu'aurait fait Sasuke. Est-ce qu'il t'aurait couvert? Si j'ai bien compris, lui, tu le considères bien comme un partenaire. Même si j'ai du mal à croire qu'on puisse considérer comme un partenaire quelqu'un qui a trahi son village. Putain, quel enfoiré. Il continue à appuyer là où ça fait mal. Pour sauver un partenaire, je suis prêt à tout, y compris à faire équipe avec toi. Très bien, l'épreuve est terminée, continuons. Ok. On continue. Petite épreuve au calme. Un petit objet. Sève collante. Ok. On n'était jamais venu par ici encore, je pense. Hein. C'est vraiment notre chemin. Bon, on va aller par là. Hein. C'est là qu'il faut. À mon avis, jusqu'à la fin du jeu, on aura normalement vu toutes les zones, je pense, du jeu. On y est presque. Ouais, c'est là. Nous arrivons bientôt au pont du soleil de la terre. Bien, faisons une pause.
Bon, j'aimerais que vous en disiez un peu plus sur vous, votre nom, vos rêves, ce genre de choses. Je suis Sasuke Uchiwa. Il y a plein de choses que je déteste, mais très peu que j'aime. Ah ouais, ça c'est la fameuse... Mon rêve, pour l'avenir, je préfère garder pour moi. Dans l'immédiat, j'ai plutôt un objectif. Putain, c'est vraiment les mêmes phrases que dans le manga. Enfin, il dit exactement ça. Rétablir l'honneur de ma famille, et il y a quelqu'un que j'ai juré de tuer. Eh oui, c'est Itachi. Je sais pas si... Je pense que ouais, c'est dans ce jeu-ci, le combat Sasuke Itachi. Ça m'a dit. Tu es faible. Sasuke. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il tient autant, Sasuke? Parce que c'est plus qu'un partenaire pour lui, c'est comme un frère. Il y a bien quelqu'un à qui tu tiens, non? Si oui, tu peux comprendre ce qu'il ressent. Je n'ai personne. Hein? Ouais, juste son frère, quoi. Il y avait quelqu'un que je considérais comme un grand frère, mais qui est mort. Ça ne m'a rien fait. Je savais même pas ce que j'étais censé ressentir. Ouais, c'est parce que Danzo l'a vraiment enlevé tout sentiment, machin, bazar. Mais c'est... Je te l'ai dit, je ne ressens rien. Sai. Capitaine Yamato, on s'est assez reposé. Ouais, t'as raison. On y va. Sai. Ouais. À chaque fois que tu disais du mal de Sasuke, j'avais envie de te frapper. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est à cause de ce qu'a dit Naruto. Pour sauver Sasuke, il est prêt à faire équipe avec toi. Pour une fois, il est plus clément que moi. Si tu peux nous aider à le sauver, je ne peux pas te faire de mal. Sakura, Naruto et toi, comment dire? Tu respectes vraiment ce qu'il ressent, j'ai l'impression. Je ne comprends pas pourquoi tu as cette réaction. Qu'est-ce que vous faites? Allez, Sakura, on y va. D'accord. Ok, on est parti, les mecs. On est parti. Ils vont pas se... Normalement, je pense qu'ils vont se... Ils vont faire un clone de Sasori et faire genre que c'est lui qui est venu, quoi. Mais Kabuto va cramer le truc. Je pense que c'était ça le... Prions ici, les amis. À la mémoire de nos défunts. Ninja. Je sais toujours pas à quoi ça sert cette pierre, hein. Je me sens plus chanceux. Chanceux de quoi? On va savoir. Le pont du ciel et de la terre. Ben, si vous êtes prêts, on peut commencer l'opération. Ouais, je suis prêt. Merde, j'ai pas... Merde, j'ai dit je suis prêt et j'ai même pas... Je me suis même pas remis mes vies, fait chier. Ouais, voilà. Ça serait... Il ne veut plus tarder. Ça faisait longtemps, maître Sasori. C'est 5 ans, moi. Eh oui, le fameux Kabuto. Kabuto Yakushi, c'est un espion de l'Akatsuki. Tu étais suivi. Ne vous inquiétez pas, je suis pressé, alors ne perdons pas de temps. Je serai bref. J'ai des informations sur Sasuke et aussi dis-moi où se trouve le repère de ton maître. Nous en changeons toutes les semaines pour que les ennemis ne le repèrent jamais. En ce moment, Orochimaru se tient en ordre d'ici. Sasuke Uchiwa est à ses côtés. Je vois. J'espère que vous avez l'objet que vous m'avez promis. Donnez-le-moi et j'ai déjà passé assez trop de temps ici. Si on me surprenait en train de discuter avec vous, Orochimaru Mitsuru. Je le sais bien. Je ne peux le retenir plus longtemps, je dois me lancer. Votre discussion m'intrigue. Cela ne vous dérange pas si j'y prends part? Ah là 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 là, Orochimaru. Je reconnais ce costume. Que de souvenirs, ça serait. Tu as suivi Kabuto, c'est ça? Je voulais simplement te remercier en personne. Après tout, c'est toi qui m'as envoyé ce garçon. Il s'est montré très utile. Ça va mal, je ne dois pas relâcher mon attention. Je vais repousser Orochimaru, Sasori. Couvrez-moi. Et bim, il va le taper, je crois. Qu'est-ce que je devrais me... Est-ce que je devrais me aller pendant qu'il s'occupe d'Orochimaru? Eh ouais. Quoi, comment ça va-t-il? Il s'est joué de moi depuis le début. Comment ça? Kabuto, je croyais que tu étais un espion de la Katsuki. Tu croyais que j'allais le rester? C'est Orochimaru qui t'a hypnotisé, c'est ça? Non, pas du tout. Pour dire vrai, je me retrouve dans les idéaux d'Orochimaru. Je le suis dans mon plein gré. Bien.
Et si tu demandais à ces misérables derrière toi d'approcher? Ils savaient depuis le départ. Putain, je les ai cramés depuis le départ. Oh, c'est encore toi. Je connais bien ce visage et le démon à neuf que s'est invité lui aussi. Rends-nous Sasuke. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Tu ne comprends pas, Sasuke nous a rejoint de son plein gré. Pourquoi tu nies-tu la vérité? Espèce de... Si tu veux savoir, ouais, Sasuke, tu vas devoir me l'arracher. Et si tu en es capable. Reviens ici. Naruto. Je ne peux pas vous laisser passer. Orochimaru aimerait jouer avec Naruto. Si tu te mets en travers, il pourra t'anéantir. Non, je me trompe. Pour être plus précis, ni toi ni moi ne devons les déranger. Ah là 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 là, là il y aura un combat de boss, je pense. Naruto contre Orochimaru. Gros gros combat de boss, vraiment stylé. Te voilà donc. Pourquoi me détestes-tu autant? Orochimaru. Le pire, c'est qu'après Orochimaru devient gentil, c'est ça le... Pourquoi? C'est quoi ton problème? J'ai choisi ma voie. Je vais rejoindre Orochimaru. Ça, c'est le fameux combat quand ils sont petits. Ce chakra. Ça devrait être intéressant. C'est parti, Naruto. Ah non, c'est bon, j'ai toutes mes vies. C'est bon. Naruto vs Orochimaru. Putain, Orochimaru. Orochimaru. Technique secrète inutilisable, adversaire immunisé contre toutes les altérations. Je vais jouer un peu avec toi. Ouh là 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 là. Le chakra de Kyubi qui essaye de prendre le dessus. Allez, on va vite le défoncer. Paf! Bien vu. Putain, l'enfoiré. Aïe! Connard. Putain, il esquive tout le connard. Hein. Tiens. Ok, il y aura des QTE. J'en ai assez de jouer. Aïe aïe aïe. Bim. Putain, trop stylé. Trop trop stylé. Ces combats, ils sont vraiment trop bien faits. Hein. C'est un truc de fou. C'est tout. Tu es moins fort que mon Sasuke. Parle pas de lui. Comme s'il t'appartenait, surtout devant moi. Surtout pas devant moi. Aïe 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 aïe. Il se transforme. Là il a 4 queues encore. Eh bien petit. Oh la vague de serpents sa mère. Orochimaru il est quand même fort aussi hein. Concentrez vos attaques sur Orochimaru lui-même. Ne faites attention mais faites attention aux serpents. Éliminez-les avant qu'ils ne vous, vous encerclent. B ou X. Comment chakra, quand le chakra max, Y. Okay. Prends-toi ça. Bim. Oh putain, c'est trop stylé. Faut que je touche au Orochimaru, mais faut que je fasse attention à ces serpents là qui viennent aussi. Putain, regardez-moi ce combat, les mecs. C'est ouf hein. C'est ouf à quel point c'est stylé les combats de boss dans ce jeu. Putain, on a failli se ramasser.
pas se laisser toucher par les serpents. Allez, prends-toi ça. Merde, encore. Ok. Ça va, on s'en sort plutôt pas mal. On n'a pas perdu trop de vie. Après, on va pas crier victoire trop vite parce que... Quel combat, les amis! Quel combat épique! Putain, la merde, il envoie trop de... Putain, il envoie 1 million de serpents. Putain, il envoie trop de serpents, là. Aïe, 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 ça devient chaud, sa mère! Ok. Oh, putain. Ah, quel combat, les gars, putain! Tu ne peux pas ne pas admirer ce genre de combat, hein. C'est impossible. Allez, il faut qu'on essaye d'avoir le facteur secret. Tiens ça dans ta gueule. Bim! C'est bon, on a le facteur secret. C'est plutôt dangereux. Et ouais, Roshimaru, prends les jambes, porte les jambes à ton cou, mon gars. Parce que là, je pense pas que tu vas t'en sortir, hein. Si tu restes. Bim! Il va lui envoyer un de ses canons. Voilà ce dont il est capable. Triple rempart! Il invoque les triples remparts. Mais... Allez, on va les péter. Allez, 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 ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est bon, c'est bon. On va tout péter. J'ai dépassé toutes mes attentes. C'est bon, on l'a eu, les gars. Quel combat, encore une fois, putain. Les combats de boss, franchement. Je vais le dire tout au long du jeu, hein, mais... Ouais, tu sais ce que tu dois faire. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-le entrevoir notre puissance. Là, il essaye de le barrer pour qu'il le laisse prendre possession de son corps. Quel combat, les amis. Gros épisode. Bon, mon combat préféré de loin, hein, c'est avec Jiraiya. Dans ce jeu-là, c'est le meilleur de tous. Mais on n'en est pas encore là. Mais franchement, tous les autres combats de boss, ils sont vraiment stylés, rien à dire. Oula, petit massacre inévitable. Petit succès, vous avez reçu le rang S dans Fury Interdite. Putain, j'ai eu le rang S là aussi. Putain, mais c'est magnifique, on gère tout. D'office, à un moment donné, on n'aura pas S quelque part, c'est sûr et certain. On peut pas avoir S tout le temps, partout, comme ça. C'est pas très... J'y crois pas trop. J'ai atteint mes limites. Mais ce n'est pas encore terminé. Il me reste ce qu'ils veulent le plus. Il me reste Sasuke. Et ouais, mon pote. Mais t'inquiète. Parce qu'ils vont se battre ou quoi? Ils entendent juste le bruit. Qu'est-ce que c'était? Ce chakra impossible. On dirait que c'est terminé. Faut vite que j'aille retrouver Orochimaru.
Escabuto, pour le moment, il faut tout d'abord retrouver Naruto. Que se passe-t-il? Apparemment, le pire est arrivé. Ce ne sera plus très long. Bon, au début, je croyais que Sai, c'était un petit connard. Un petit traître comme ça, tu vois, un truc comme ça, mais bon. Je pense pas que... Enfin, après, on voit que, qu'il l'est pas vraiment, quoi. Naruto est par là, je dois faire vite. Et ouais, il va devoir... comme il contrôle... le personnage que vous contrôlez déjà, okay. Comme il contrôle le Mokoton, il va devoir lui faire un truc de scellement, alors je sais pas quoi. Pour lui faire revenir à lui. Yamato! Yamato Sense! Allez, on va prendre un petit objet ici. Haricot rouge. Haricot rouge. Noix d'ouragan. Et. Herbe médicinale, très bien. Je sais pas quoi ça va nous servir tout ça, mais. On prend, hein. C'est là, on prend. Hein. Il y a un problème. Impossible de trouver ça. Ça, il est déjà en mouvement. Bon, ce n'est pas le moment d'y penser. Il s'est cassé ce vieux Sai. Ah putain, on doit combattre. Ah! Putain, vous croyez qu'on doit le combattre? C'est toi. Comme je le craignais, le saut du démon 9 que se dissipe. Naruto, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sakura, quoi qu'il arrive, ne t'inquiète pas. Mais, et Naruto? Ne t'inquiète pas pour lui. Je peux le ramener à son état normal. C'est vrai, Capitaine Yamato? D'abord, il faut le contenir. Couvre-moi. Putain, on doit le battre. Oh là là, ça va être compliqué. Aïe, 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 ça va être chaud, ça, je pense. Là, on va peut-être galérer. Parce qu'on se bat contre un Naruto en mode transformé. Hein. Là, ça ne rigole pas. Technique secrète, inutilisable. Première fois qu'on utilise Yamato, je pense. Hein. Merde. Prends-toi ça. Merde, j'ai plus de chakra. Ça va être un peu plus chaud que d'habitude. Allez, barre-toi d'ici. Ça va, on s'en sort pas mal. Merde. Putain, il me laisse pas, hein. Il me laisse pas l'approcher. Merde. Je vais essayer de faire la technique secrète de Yamato. Pouah. Putain, il est chaud, hein. Wow, ouais, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Putain, mais laisse-moi tranquille, mec. J'ai envie de le finir avec la technique secrète, mais... Ah non, il n'y a pas de technique secrète. Il n'y a pas de technique secrète ou quoi? Non, il n'en a pas. Bon, Sakura termine le. Il a pas de technique secrète, bon. Ah ouais, non, c'est marqué technique secrète inutilisable, c'est vrai, putain, je suis con. Par contre, je pouvais... Par contre, je pouvais me mettre en mode éveil. Hein. Ça, je pouvais le faire. Bon là on n'aura pas le S, c'est sûr, voilà. C'est pas bien grave, c'est pas un combat de boss. On va essayer d'avoir le S partout dans les combats de boss, mais... Là c'était complicado, hein. Il ne bouge plus. Ok, maintenant. Arcane Jokage rempart du retour à la source. Et voilà. Le travail est fait. Ouf, on a réussi. Ouais, je me rappelle quand il va se réveiller, il se souviendra rien, un truc comme ça.
Oui, nous avons contenu le chakra du démon 9 qui... Contenu, mais comment? Il y a longtemps, j'ai servi de cobaye pour Orochimaru. Il m'a injecté des cellules du premier Hokage. Des cellules du premier Hokage? Premier Hokage avait un contrôle absolu sur les démons 9 qui... Je suis le seul à pouvoir apaiser Naruto avec cette technique. Parce que je porte l'ADN du premier Hokage. Je comprends mieux. Il sait déjà. Hein? Je t'expliquerai plus tard. Naruto devrait bientôt se réveiller. Sakura? Sakura? Qui m'est-il arrivé? Je suis tellement soulagé. Je suis tellement soulagé. Ah, c'est sûr, hein, Naruto est increvable. Hein. Content que vous allez bien. Et c'était plutôt amusant. Que fait-on maintenant? D'abord, rentrons au repère. Ah, ça, il les a retrouvés. Tu cherches quelque chose? Tu étais avec Naruto, soyons bien clairs, je ne suis pas votre ennemi. Je suis venu négocier comme on me l'a demandé, j'aimerais discuter avec vous. Croyez-vous ça? Pourquoi devrais-je te croire? C'est Danzo qui lui demande ça, je pense. Qu'est-ce que c'est? Une liste de ninjas de l'Anbu. Les services spéciaux, ils sont sous les ordres directs du Hokage. Tu t'es échappé avec un document secret? Très bien, je suis convaincu. Parfait. Putain, c'est enfuir de Sai. Et donc tu disais vouloir négocier. Ouais. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Viens avec moi dans mon repère. Et il a un clone de Yamato. Ouais, voilà. Il y a un clone de Yamato qui suit à chaque fois, comme je le craignais. Cool. Je pense que la prochaine mission, ce sera d'aller au repère. J'avais trouvé son comportement un peu curieux. Alors j'ai utilisé un clone pour garder un œil sur lui. En fait, il est avec Orochimaru, il est parti avec son repère. Il est parti vers son repère. Mais c'est quoi son problème? Je me rappelle plus après ce qui, pourquoi en fait il avait fait ça. En l'observant, j'ai remarqué qu'il n'agissait pas de son propre intérêt. Alors pourquoi? Je ne fais que supposer, je pense qu'il reçoit ses ordres de quelqu'un d'autre que le 5e Hokage. Si on se dit que le maître de Sai et Orochimaru partagent les mêmes intérêts, mais qu'est-ce qu'il a bien pu le passer à le pousser à s'allier Orochimaru? Ouais, c'est, non, c'est Danzo, c'est vrai, je me rappelle, c'est Danzo. Peut-être pour détruire une deuxième fois, quand même. Non, on ne peut pas laisser Sai s'en aller comme ça, poursuivons-le. D'accord. Ah ok, non, là, on va directement continuer en fait. Ok, on contrôle Naruto. Poursuivons Sai. Sai le traître. Sai l'enflure. Alors on a encore un peu de temps, on peut continuer tranquillement. Ramasse un peu les petits objets. Petite plume d'oiseau. Petite plume d'oiseau. Très bien. Je me demande, il y a quoi dans ces... C'est que de la sève collante. Non, on s'en bat les couilles alors. Putain, il y avait un vendeur là, je l'ai même pas vu. Prions les amis. Allez, on parle à notre pote, notre poteau Yamato, le clone. Orochimaru est là-dedans. Bien. Vous êtes prêts? Bien sûr. Allons-y. On est parti. Ah putain, on est dans le repère. C'est le repère de Orochimaru. J'ignore quel piège nous attend, alors je veux que vous soyez aussi prudent que possible. C'est compris. Orochimaru ici et ça aussi. Ah putain, ici c'est un labyrinthe. Ok, mais on peut pas aller partout. Comme mon avis, il n'y a pas 36 000 solutions. On va un peu fouiller partout. Ça peut être. Il se peut que ce soit intéressant. Voir, tu vois, là il y a plein d'objets. On va un peu fouiller tout le bazar. Langue de bœuf, petit poisson. Bon, je sais où je dois aller, hein. Je dois aller tout en haut de la carte là, mais je vais un peu fouiller tout ici parce qu'il se peut qu'il y ait des trucs, tu vois. Faux filet, encre banale. On va aller alors maintenant tout de l'autre côté. Et ensuite on ira tout en haut, là où on doit aller.
c'est celle des objets. Je me disais bien. Champignons délicieux. Blé. Là, c'est quoi? Encre normale. Ok. Je sais pas quoi va me servir tout ça, hein, mais j'estime que ça peut me servir peut-être pour une quête annexe ou pour. Ou je sais pas, à un moment donné, ça peut me servir. Là. Tant qu'on est là, on fait ça. C'est pas non plus la mort. Maintenant, on va là-bas. À mon avis, il y aura d'autres. On n'arrivera pas directement à la salle, on doit arriver. À mon avis, il y aura d'autres salles avant. Et à mon avis, je pense qu'il y aura le combat contre. Enfin, on va bientôt voir Sasuke aussi, je pense. On va faire un petit combat contre Sasuke, vu que ça. La première fois qu'on voit Sasuke dans le dans Naruto Shippuden, c'est là. Hein. C'est quand ils vont dans le repère de Orochimaru. Et qu'ils le voient de spi. Faut vite faire un combat contre lui, puis il se rebarre de nouveau, quoi. Putain, cet enfoiré de Sai. Ah, vous êtes arrivé jusqu'ici. Sai, espèce d'ordure, pourquoi tu trahis Konoha? Eh bien, vous avez réalisé que je vous avais trahi, bon travail. Si vous avez compris ça, je suppose que vous savez aussi quel est mon but, je crois. Tu n'agis pas seul, tu suis les ordres de l'autre, n'est-ce pas? Et cet autre, il veut détruire Konoha pour la deuxième fois. Bien joué. C'est vrai, nous allons détruire Konoha et construire un nouveau village à sa place. Sai, cela ne te gêne pas de participer à ce crime? Pas vraiment, c'est ma mission après tout. Espèce de... C'est bon, c'est bavardé. Je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Ce sont les ordres d'Orochimaru. Parce que Sasuke est par ici. Sasuke? Navré, mais il va falloir que je vous disparaisse maintenant. Le chemin qui conduit à Sasuke passe par toi. Ça, si tu tentes de me bloquer le passage, alors pas de pitié. Je ne peux pas perdre de temps ici. Je passerai sur ton corps s'il le faut. Capitaine Yamato Sakura, n'intervenez pas, je m'occupe de cette affaire. Attends, nous sommes trois ici, nous avons plus de chances de progresser si nous... Capitaine Yamato, laissez Naruto s'occuper de ça. Je pense que Naruto a beaucoup de choses à dire à Sai au cours de ce combat. Mais, s'il vous plaît. Je n'ai guère de temps à perdre, si je vois que tu perds, j'interviens. D'accord. T'inquiète pas mon gars, je ne veux pas perdre. Je vais vite lui régler son compte. Comme ça, il reste un peu tranquille. Sai, en vrai... Allez, il n'est pas... très très fort non plus, hein. C'est pas le mec que mon éveil est jamais utilisable. Je pense que mon éveil ne sera presque jamais utilisable en mode histoire, à mon avis. Bim, prends toi ça mon gars, t'es trop le fou ça, alors que t'es qu'une merde. Wow, hey, tu vas te calmer gros. Tiens, bim, petit combo dans ta gueule. Paf. Boum. On va vite le défoncer. Là, à cette allure là, va pas résister longtemps mon petit Sai, hein, ce petit blanche neige. Hein. Paf, il est mort. Magnifique. En 2-3 mouvements. C'est terminé. Je ne peux pas m'arrêter, Sai. Je te l'avais dit. Allez, Sai, barre-toi maintenant. Laisse-nous passer. S, hein, au calme. Je pense qu'il y a. C'est très rare les combats, on n'a pas eu S. Hein. Très très rare les combats, on n'a pas eu S. Et S à chaque fois partout. Allez, enfin presque partout. Quoi, cette puissance? La dernière fois que nous avons combattu, tu étais loin de. Je t'ai prévu, je ne te montrerai aucune pitié à quiconque bloque le chemin vers Sasuke. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre amitié. Tu veux dire que c'est de là que provient ta force? Et ouais, mon pote. Ma mission consiste à sauver Sasuke. Je ne ferai pas une fixation là-dessus à ta place. Quoi? Quand j'ai été amené ici, j'ai rencontré Sasuke. Sakura m'a dit que tu considérais Sasuke comme ton frère. Mais Sasuke m'a dit qu'il ne voyait pas les choses de la même manière. Alors pourquoi? Eh bien, tu as perdu bien. J'ai pas à se lire. Kabuto Yakushi. On dirait que tu nous as pas trahis, donc je te pardonne. Quoi, espèce de. Si tu te voyais, ce n'est pas en me jetant le regard qui tue que tu régleras tes problèmes. La ferme, c'est ta faute, Sasuke est venu par jusqu'ici. Et voilà encore en train de chercher des coupables. Il serait venu de toute façon. Pour venir le pouvoir de te battre, de battre Itachi et pour se plonger dans les ténèbres.
Nous lui avons seulement donné l'occasion qui lui manquait. Mais il a fait ses choix lui-même. Tu ne comprends toujours pas. Ma foi, tu n'as jamais été bien malin. Quel enfoiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre Sasuke. C'est plus compliqué que ça. Tu sais, tu ne comprends pas Sasuke. Pas Sasuke nous a rejoint de son plein gré. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il a rejoint pour histoire d'être plus fort pour battre, pour pouvoir battre. Pour pouvoir battre truc. Son frangin. Moi, c'est bavardé. Pourquoi tu n'irais pas voir rien? Pas question. Naruto, tu sembles prêt à me combattre, mais. Le dernier combat t'a beaucoup épuisé. Tu crois vraiment pouvoir me battre? Je sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas Naruto que tu affrontes, c'est moi. Je ne te pardonnerai jamais. Il est trop tard pour que tu puisses faire la différence. Détrompe-toi, tu crois vraiment pouvoir l'affronter contre Sasuke et moi, contre Sakura et moi? Captain Yamato, battons-le Sakura, si cela nous prend trop de temps, d'autres pourraient venir à son aide. Je vais aider aussi. Non Naruto, surveille simplement Sai. Nous étions sur le banc des remplaçants, c'est ton tour. Mais, quel enfoiré. C'est bon, je ne vais pas perdre. Pas face à ce type. J'aimerais mieux ne pas frapper une femme, mais face à une fille aussi têtue, je n'ai guère le choix. Je vais te donner une leçon. Très bien, on va faire ce combat et puis on arrêtera là. On a combien là? 36 minutes, ouais. Paf, c'est parti. Dans tous les cas, hein, c'était prévisible parce que Jiraiya, c'est l'un des trois ninjas légendaires là. Et c'est le mentor de Naruto. Tsunade, c'est l'une des trois ninjas légendaires, des trois séries légendaires. Et c'est la mentor de Sakura. Donc forcément, le troisième... Sénine légendaire, c'était Orochimaru, donc forcément ça devait être le mentor de Sasuke. Hein. Je sais pas si vous avez suivi mon raisonnement, mais en tout cas c'est comme ça. Donc voilà, c'est chacun son tour se fait entraîner par son entraîneur, entraîneur de légende. Quoi. Bim, on va vite le défoncer, hein, franchement. Allez, hop, merde. Bon, c'est comme ça. Si c'est comme ça, tu le prends comme ça, on va vite te défoncer. Ah, le connard. Vas-y, Yamato, tue-le. Bien vu. Ok. Gagner le combat. Et c'est le S, ma gueule. Ah, on est habitué, on est habitué. On a débloqué Kabuto, je pense, peut-être. Ou pas, je sais pas. Ok. Tu ne pensais pas que tu t'en sortirais aussi bien. Maintenant, hors de notre route. Notre route, hein. Mon pauvre Naruto, tu es le plus lamentable de la bande. Quoi? Les gens changent, Sasuke n'est plus le garçon que tu as connu. Tu peux rêver autant que tu veux, mais tes idéaux ne te serviront à rien. Sasuke ne veut plus t'écouter. Il ne retournera jamais vers toi, jamais. C'est mon ami, le lien qui nous unit nous a demandé beaucoup plus d'efforts. Alors je vais le protéger, point final. Tu es vraiment un imbécile, un lien vous unit et alors, même si c'est le cas, si ce lien existe, ils récupéreront, c'est certain. Ce n'est pas Naruto. Ouais. Sai, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une raison pour laquelle Naruto et Sakura sont si ardemment à la recherche de Sasuke. Ils veulent préserver le lien qui les unit à Sasuke. Ils ne veulent pas le voir être brisé. Je ne peux pas dire que je comprends ce que ça signifie, mais je veux voir ce lien qu'ils tentent de sauvegarder. Alors je ne te laisserai pas intervenir, c'est fini. Putain, mais Sai, c'est une putain de girouette, hein, cet enfoiré. Alors en fin de compte, je suis pas de leur côté. Hein. Je pensais que tu serais utile, mais apparemment j'avais tort. Enfin, peu importe. D'une manière ou d'une autre, je sais comment ceci va se finir. Allez, va gaspiller ton énergie à tenter de convaincre Sasuke. Il est parti. Naruto, concernant ce que Kabuto a dit, peu importe ce qu'il a dit, nous ramenons Sasuke. Mais Sai, je ne comprends pas vraiment pourquoi j'ai fait ce choix. Mais je me suis dit qu'en restant avec vous, je découvrirai quelque chose. Je vois. Très bien, Capitaine Yamato, il ne nous reste plus qu'à ramener Sasuke. C'est ça. Dans ce cas, on reprend la mission. Ok. Bon, on va voir ce qu'il y a ça assez. Mais en tout cas, ce cinquième épisode était pas mal. Hein. Ça serait d'être un peu plus long. Ok.
Et ben voilà les gars, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'espère que vous kiffez cette série comme moi. Parce que voilà, c'est Naruto. Hein. C'est le manga. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs mangas qui existent. Donc voilà, on se retrouvera très prochainement pour l'épisode 6, je pense. Ouais. Et on ira retrouver Sasuke. On verra ce qui se passe. Merci à tous. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, commenter. C'était Lucas Certé. Ciao.